Eh bien bonjour tout le monde, c'est Nikoupa et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Red Dead Redemption 2. Et voilà, on va faire notre quête avec Traveling Trollau. Bref, ce mec. D'accord. Monsieur Canard, viens. Allez, viens, mon connard. Bon, bah, yes, en plus, on nous a mis le point, c'est parfait. D'accord, il a bug, il bug un peu, Travellini. C'est bizarre, mais bon. Tellement il est loin, là, il est en train de passer en vitesse supersonique, hein. C'est grave. Ah ouais, merde, c'est vrai, on est l'adjoint du shérif. D'ailleurs, shérif qu'on n'a plus vu depuis un gros moment quand même, hein. Puis au moins quoi, 5-6 épisodes, je crois. Enfin, ça se peut, c'est moins, hein, mais honnêtement, je m'en rappelle plus. Alors, bon. Faut aussi, à chaque fois, à chaque vidéo, même si on fait pas des trucs ouf, on a tellement d'informations en rapport avec l'histoire ou en rapport avec des histoires pas ultra intéressantes. Que bah, on peut oublier grave facilement. C'était quand même, si pour moi, je pense que ça fait vraiment 3-4 vidéos qu'on ne l'a pas vu. Hein. Peut-être plus, mais honnêtement. Coucou, je suis Arthur, j'ai un cadeau pour vous. Passez par Strawberry. Passez voir mon collègue Hector. Oh putain. Je pense qu'on va devoir y aller obligatoirement sans que... Sérieusement, pour dire adieu en anglais, ils disent vraiment adieu.
Genre, ils essayent vraiment de dire adieu en français quand même. Bah, après, tant mieux, hein, mais ça fait bizarre. Quoique je dis ça, mais en même temps, j'ai vu le clip d'Alastor par The Living Tombstone. Alors, il n'y a plus rien qui me choque. Malgré que la musique est très classe. Dylan se dirige vers le sud. Faites preuve d'imagination. D'accord. Bah, on tue tout le monde et puis c'est réglé, hein. C'est de l'imagination, je sais. Une grosse imagination. C'est ça, après l'histoire avec Maika, c'est mort, hein. Faut plus aller à Strawberry. C'était intéressant ce qu'ils ont dit, mais c'est vrai que bon, Strawberry, même si j'ai payé l'amende qui était très grosse quand même, je crois elle était à 200 dollars. Bah voilà quoi. Ah, ok, il faut juste attendre. Non, faut rester à distance. Ouais, bah du coup, on reste avec lui, quoi. Allez, pourquoi ils ont dit d'arrêt?
Faut attendre qu'elle parte de son truc, c'est chiant. Putain, c'est stressant. Heureusement, c'est pas à nous de le faire. Ok, maintenant on laisse ça comme ça, vu qu'on s'est assez éloigné. Le 23 de ce mois. Oh putain, c'est dans 2 jours. Oui, quand on se tourne 9-2, on est le 21. Mon dieu, 21 juillet. C'est affreux, hein, parce que ça veut quand même dire qu'aujourd'hui, c'est les 5 ans de Splatoon 2. C'est énorme, 5 ans. Bon, en même temps, ça fait par exemple 7 ans que Splatoon 1 est. Et quand même, juste se dire qu'aujourd'hui ça y est, c'est l'anniversaire de Splatoon 2, ça fait 5 ans. J'arrive pas à croire parce que le jeu est tellement vieux. Heureusement qu'on a le 3 qui va sortir dans pas longtemps. Hein. Quand ce let's play commencera, il y a des chances que Splatoon 3 sera déjà sorti. Mais ouais. Ok. Ah oui, quand même. Des amis. Oh. Attendu quoi? Terminer la mission en moins de 8 minutes 10 secondes. Ah ouais, non, mais ça y est, faut aller se faire foutre, les gars. Ah, il y a un truc avec Bill. Toi, t'es un vrai connard, cheval. Alors, attendez. Ouais, c'est bien Bill. Williamson. Oh putain, en plus, faut être dans la ville où on doit pas avoir notre arme. Peut-être qu'il y aura une mission avec les keufs, hein, on sait pas. Vous ne pouvez pas utiliser d'armes ou causer de problèmes dans Road tant que vous êtes l'adjoint. Mais du coup, ça veut dire qu'il y aura un moment où on sera plus l'adjoint. Enfin, forcément, au prochain chapitre, on va se barrer de Road. Il y aura dans un autre endroit, mais ça veut dire bien avant, on sera plus l'adjoint, si je comprends bien. Un village pittoresque. Ils vont préparer un braquage. C'est ça, ils nous payent. Du coup, faut profiter du fait qu'ils nous payent pour bah voilà, les aider. Non, c'est Sean, j'allais dire que c'était John. Putain! Non! Mais je l'aimais trop! Mais non, mais je l'aimais tellement!
Vous avez tué Sean, votre fils de pute! Vous allez mourir. Oh la tête. C'est toujours jouissif. Vous avez tué mon copain. Putain, en plus, on joue, on était avec lui à la dernière vidéo. Putain, prends ta balle. Ouh, le cheval. Par contre, Arthur, franchement, il est chaud, hein, parce qu'il a réussi à sentir le fait qu'il y a un truc qui va pas. Mais ils sont cons ou quoi de pas se mettre à couvert? Encore lui, bon bah vas-y, ça va, mais lui là, il est con. Vous avez tué notre copain, bon, donc tu es de fils de pute. Bah tu me prends moi, mon pote. Hop. C'est vrai que buter un mec par derrière, c'est lâche. Ah bah voilà, on voyait rien là-bas, merde. Putain, Michael, casse-toi. Alcool de contrebande, allez. Putain, mais force! Ah. Ta gueule. Provision. Qu'est-ce qui peut nous redonner pas mal de vie là? Bon, on a ça. Ah bah ouais, du coup on est dans l'armurerie là. Ouais. Ah putain. D'accord, on l'a eu. Alors, clairement ils disent ça, mais il faut vraiment qu'ils ferment leur gueule parce qu'on va se prendre un autre gros karma, il y aura une grosse armée qui va se ramener et là on va être baisé. Enfin, on va s'en sortir forcément, mais on sera baisé. Ah bah ouais, du coup on va buter le shérif maintenant. Bah c'est bien de dire ça mec, mais là on a tué tout le monde. On a tué tout ce qu'il y a ici. Bah ouais, il est tout seul. En vue FPS c'est horrible. Je vais l'enlever parce que là. Oh c'est affreux la vue FPS parfois. Notre copain est mort. Non, honnêtement.
Malakas? We destroyed their farm. Should I go on? Go easy on him, Morgan. He was out trying to find a lead. Same as you, same as Hosea. All you do is complain when things don't work out. Except when it's your goddamn fault. You don't know what you're talking about. You don't give a damn about nobody but yourself. Oh, you act so high and mighty. But you're no better than the rest of us. I've ridden with you boys close on what, 6 months now? And all you ever done was complain. You can fight, but you can't think. You can't do it. Okay, cowpoke. Well, take the boy's body. Probably someplace quiet. Smacker? Just you and I don't speak for a moment. I'm just so frightened by you. Get out of my sight. Du coup, on va se barrer d'ici maintenant, vu qu'on a tué tout le monde. Vu qu'on a tué tout le monde dans Rhodes, ça veut dire que c'est la fin du chapitre. Où on va faire un braquage vu qu'il n'y a plus personne. Non, c'est. Non, là j'ai beaucoup de questions en vrai. Bon, déjà un enterrement. T'as l'impression parce que c'est le cas. Bah, osez dire qu'on fout pas le chaos partout où on va. Hein. Ah, voilà, un truc avec Dutch. Mais putain, mais. Mais non, mais à chaque fois, je me crois dans Spider-Man. Du coup, je comme un con. D'ailleurs, je tiens à dire quand même que le 100% de Spider-Man. Je parle pas de Miles Morales, hein, lui, je me le laisse pour plus tard. Mais Spider-Man. Oh mon dieu. Oh putain. Ah oui, là, clairement, on est l'ennemi public numéro 1, ici. Mais ouais, du coup, Spider-Man... Putain. Bon, allez, enlève ça. Non. Je crois que je confonds les touches, c'est affreux. Mais du coup, ouais, Spider-Man 1, en vrai... parce qu'il y a un deuxième jeu qui sort en 2023. Du coup, ouais. Spider-Man... alors... En vrai, 100% et le trophée de platine, c'est grave simple. Du coup, c'est pas impossible. Sachant que le jeu en let's play, je le ferai en stream. C'est vraiment pas impossible que on essayera de faire 100% du jeu. Je tiens à le dire dès maintenant, c'est vraiment pas impossible. Bah, attendez. Le 100%, il est ultra simple. Genre, là, attendez, quand je tourne la vidéo, voilà, on est le 21. J'ai démarré Spider-Man. On était le 16 ou le 17 juillet. Ça fait que 4 jours que j'ai démarré le jeu. Je l'ai déjà fini parce que je saignais à fond l'histoire principale. Les quêtes annexes, j'en avais littéralement rien à branler. Ou du moins, si j'en voyais une devant moi, je m'en occupais. Mais sinon, je m'en fous. Mais et là, dans le jeu, je suis actuellement à 91% en seulement 4 jours. C'est énorme. Vraiment, le jeu, je peux le 100%, je vais le 100% en moins d'une semaine. C'est grave. Ah non, mais ça va être énorme hein, qu'on va le faire en stream. Bah attends, du coup, c'est vrai qu'on a tué... vu qu'on a tué tous les Grey, maintenant il manque que les Braceways. Enfin, l'autre famille. Il manque que l'autre famille à tuer, c'est réglé. Bah du coup, c'est ce qu'on va faire. Hein. Oh là là, la masterclass. Eh bah putain, la dernière vidéo et celle-là, elles sont magnifiques. Hein. Franchement, pour l'heure actuelle, on n'aura pas fait meilleure masterclass que ces deux vidéos en question. Hein. Vraiment. Bon, éventuellement, il y aura les dernières vidéos du Let's Play, hein, qui seront forcément des masterclass aussi. Mais là, je m'attends à ce qu'on soit vraiment à la fin du chapitre, et qu'on sera au chapitre suivant, soit à la fin de la vidéo, soit au début, enfin, ou à la prochaine vidéo. Je ne vais pas dire au début de la prochaine, ce serait complètement con, mais voilà. Mon dieu, on est tellement... Mais il y a tout le monde. Je le jure, je vais tous les descendre. Bah non, John, il va pas garder son calme, c'est son fils qui a été capturé quand même. J'avoue comment ils ont fait, genre, ils sont tous armés, enfin à moins qu'ils ont... Je sais pas.
putain, le ciel, bizarre. À moins que ce soit la nuit, mais bon. Ah là là, on va passer à de l'action. Oh mon dieu. Déjà que c'était masterclass avant, mais là ça va être masterclass fois 1000, j'espère. Ah, j'ai un doute. J'ai pas envie de dire de conneries si c'est maintenant ou plus tard dans le jeu. Mais ouais, non, c'est littéralement du spoil. Mais en même temps, le jeu ça fait longtemps qu'il est sorti, alors j'ai le droit. Enfin, je vais quand même pas spoiler la fin quand vous découvrez le jeu, mais pour l'histoire comme ça là. Non. Non, vous savez quoi, je vais rien dire. Si ça arrive, si ce que je pense va se faire, je le dirai quand on l'aura fait. Sinon, eh ben, je dirai rien et vous attendrez le moment où on l'aura, pour de vrai. Ouais. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Hein. Je suis pas sûr à 100%, mais j'ai l'impression que c'est ça. Parce que c'est une grosse maison et tout. Par contre, Dutch, il était même pas venu dans cette maison, hein. Donc, ouais. Enfin, je crois pas. Non, il était du côté de Gray et c'est Oza qui était dans ce côté-là. C'est énorme ce qui se passe. Putain, on peut pas se mettre en vue cinéma, c'est chiant. Putain, on peut... Ah si, voilà, vue cinéma. Parfait. Oh là, ça va être beau. Là, c'est classe. Ah, mais en plus, il marche tout seul. Du coup, là, ça part vraiment sur une vraie cinématique, je crois. Non, vous savez quoi? On va se mettre en vue FPS. Va venir. Bah, on va se cacher là. Hein. J'allais tirer sur Dutch. Ah, mais merde. Bah oui, bah du coup oui. Bah ouais, j'ai pas fait attention que tout le monde me tire dessus. Ah ouais, c'est con. Il est tombé comme une merde. Putain, mais recharge. Non, on va enfoncer, ça y est, au bout d'un moment. Ah. Bon.
Bah, pourquoi ça me dit de venir là?